Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Du nouveau dans l'histoire concernant le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët. Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Mais il faut Jesse Soko qui va venir et qui va vous raconter ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, lors d'une interview accordée à une chaîne qu'on ne va pas citer parce qu'ici, on ne fait pas de promo, à part si tu payes! Excusez-moi. Mais lors d'une interview, on a pu voir Noël Le Graët complètement partir en vrille. On lui a juste posé une question concernant Zinedine Zidane. Il a expliqué de manière assez violente, virulente. Et nous n'avons pas compris. Nous pensions que Zinedine Zidane était la personnalité préférée des Français, en tout cas dans le top 3, et que ça concernait tous les Français. Mais apparemment, Noël Le Graët, lui, il n'aime pas Zidane. Non, non, non. Alors là, Noël Le Graët ne porte pas Zinedine Zidane dans son cœur. On a pu le constater parce qu'on lui a demandé « Alors, qu'est-ce que vous pensez de Zinedine Zidane qui pourrait aller être l'entraîneur d'une nouvelle équipe ?» Il a dit « Moi, Zinedine Zidane, j'en ai rien à secouer. Zinedine Zidane, il peut faire ce qu'il veut, il peut aller là-bas, il peut aller là-bas. Franchement, voilà, je n'ai rien à foutre, quoi. » Et après, on lui a demandé « Mais vous avez eu un contact avec lui ?» Il a dit « Bah, quand même pas, quand même. Moi, même si Zinedine Zidane m'aurait appelé, j'aurais jamais décroché. » Donc, on a pu constater une haine non expliquée de la part de Noël Le Graët, ce qui a déclenché un déferlement de réactions parmi les Français. On a pu voir des célébrités de tous bords prendre la défense de Zinedine Zidane. Et surtout, on a vu un tweet de Kylian Mbappé qui a largement fait la différence. Kylian Mbappé a dit, je cite, « On ne touche pas à Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, c'est la France. » Oh là 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 là! Et qu'est-ce qu'on a pu constater après ce tweet? On a pu voir que toutes les casseroles de Noël Le Graët ont commencé à sortir. Donc je me demande, qui est le président de la République française? Est-ce qu'il aime Mbappé? Parce que quand il voulait partir au Real Madrid et que Emmanuel Macron il est parti le voir et qu'il lui a dit « S'il te plaît, reste !» Et qu'il est resté. Peut-être que Kix lui a dit « Bon, c'est moi le président maintenant. Hein ?» Parce que là, j'ai pu remarquer que franchement, je me fais beaucoup moins contrôler. Alors là, je tiens à dire qu'on a pu constater que, lorsque les célébrités se mettent tous à parler d'une chose, eh bien, il y a des actions qui commencent à se faire. Parce que là, mesdames et messieurs, le fait que tout le monde ait commencé à critiquer Noël Le Graët, les grandes instances commencent à se bouger. Donc je me pose vraiment la question, qui est-ce qui dirige la France? Ne serait-ce pas notre petit Kix Mbappé Pit? Parce que après ce tweet, on a pu voir la ministre des Sports commencer à dire « Non, on ne fait pas ça !» Emmanuel Macron qui commence à envoyer des messages. Oh là là, qui est le président? Non, mais en tout cas, franchement, c'est une bonne chose. En tout cas, en plus, Noël Le Graët, on va pas se mentir, il trempe dans des histoires absolument dégueulasses. Et Kix, depuis qu'il a joué en Euro, et je ne sais pas avant ce qui s'est passé, mais il a déjà fait une sortie publique contre Noël. On se souvient. Vous vous souvenez. Donc peut-être que Kix est dans une mission absolument, comment dire, chevaleresque. Hein, même Batman ne fait pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Batman, lui là, tu l'as déjà vu tweeter en mode public? Ouais, j'arrive ce soir. Non! Batman, il met une cape, il met un masque. Et puis, il frappe les gens. Hein, alors qu'il est milliardaire, il pourrait tout faire. Tu vois? Alors que Kix, il prend ses couronnesses. Alors là, mesdames et messieurs, je tiens à dire, hein, là, Kylian Mbappé, il va falloir lui donner le brassard. Il y a carrément Didier Deschamps, son contrat a été remis en question. Mais vous vous rendez pas compte de comment Kix a le bras long. Oh non, Kylian Mbappé. Non, 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 président de la République. Ça y est, c'est officiel. Voilà, donc après, je pense qu'il y a certaines questions sur lesquelles il a pas pu... il peut pas tout faire non plus. Parce qu'après, j'ai vu des gens... Ouais, Kylian Mbappé, est-ce que tu peux pas faire un truc sur le climat? Alors que, mesdames et messieurs, moi, je commence à me documenter, là. Hein? Vous savez que juste les tomates fabriquées en France pendant l'hiver, hein, ça consomme autant que... Oh là là, alors, attendez-vous les climateux, j'arrive, vous allez voir ce que je vais vous raconter là.